Distribution de tracts tout sourire pour Thierry Mariani dans le Var. Pourtant, il y a de l'orage dans l'air ce dimanche. Le parti est attaqué. Le JDD révèle l'enquête sur les détournements de fonds européens. Je vous rappelle que cette affaire existe depuis des années, qu'il y a la même affaire pour les collaborateurs de M. Bayrou, qu'il y a la même affaire pour les collaborateurs de M. Mélenchon. Voilà. Ça fait quand même beaucoup, 6,8 millions d'euros. Écoutez, je pense que le JDD est de plus en plus le journal officiel de l'Élysée, quoi. Les élections approchent, voilà. Une campagne pour les régionales sous fond de scission avec la droite traditionnelle et autres manœuvres pour former des alliances en PACA. Et les traites vous ont trahi. C'est la politique, hein. Bah, au moins, on voit qu'ils roulent pour Macron. Hélas. Voilà. Mais je crois que vous allez faire un très gros score. On verra. J'en parle là autour, mais je crois que vous avez fait un bon score. La déambulation se poursuit dans les allées du marché, aux côtés du maire RN, David Racheline, élu depuis 2014, autrement dit, en terrain conquis. Ça me change ici, hein. Pour cet électeur, la problématique sécuritaire change la donne. J'étais pas trop FN, mais maintenant, tout ce que je vois, je sais pas ce que je ferai. C'est quoi, c'est les derniers événements à Fréjus ? Bien sûr. Plus de sécurité, un message politique loin des compétences régionales, mais que le candidat du RN va s'employer à faire passer aux quatre coins de la région.